en compagnie d'Émilie Tétu, chargée de projet philanthropique pour l'UQAM. Là, aujourd'hui, on est au défi tête rasée. Il y a beaucoup de gens. Les cheveux se font couper de tous bords, tous les côtés. On a une ambiance aussi familiale, ce qui est très bien. Comment, toi, tu décris cette journée-là? Alors, c'est vraiment un beau succès. C'est le 11e défi dans la grande région de Charlevoix. Cette année, en plus, on a joint la région de la côte de Beaupré, présidée par Charles-Antoine Choquette du groupe Le Massif. On est au sommet du Massif. Effectivement, c'est une ambiance très, très familiale, très festive. Donc, c'est tout à fait dans le ton de la campagne Défi tête rasée. C'est une campagne de financement importante pour l'UQAM. Il y a près de 4 millions de dollars au provincial là, qui est ramassé grâce à cette campagne-là. Puis la campagne Défi tête rasée, au-delà de l'argent amassé, elle est belle. La symbolique est extrêmement profonde. Donc, les gens volontairement s'enlèvent leurs cheveux en solidarité aux enfants atteints de cancer qui les perdent très régulièrement à cause des traitements de chimiothérapie. Donc, c'est beau. L'UQAM là, est vraiment un appui incontournable et précieux pour les enfants qui reçoivent des verdicts de maladies ou peu importe. Et là, pour eux, le devoir que l'UQAM est aussi présent, même parfois est aussi présent que des hôpitaux peuvent l'être, si je me permettais l'expression. Mais ça, pour ces jeunes-là, là, c'est quasiment plus beau qu'à Noël, là, si je peux le dire ainsi. Oui, tout à fait. En fait, l'UQAM, on est vraiment présent. Là, dès le diagnostic, l'équipe de l'UQAM entre en action et on accompagne les enfants atteints de cancer. Oui, mais toute leur famille aussi. On s'occupe des frères, des sœurs, des parents. On leur offre différents services pour diminuer tous les stress physiques et psychologiques, des activités pour briser l'isolement. Et on va les accompagner tant et aussi longtemps que les enfants et la famille en ont besoin. En moyenne, c'est sur une durée de 7 ans qu'on accompagne chacune de ces familles-là. Donc, effectivement, l'UQAM, on devient pour eux une deuxième grande famille. Je veux aussi mentionner au niveau des activités, je pense que quand on voit une activité qui amène le jeune à aller voir les Canadiens de Montréal et à rencontrer les joueurs, ça, honnêtement, c'est un rêve de tout jeune qui vient au monde. D'avoir une activité de la sorte, là, est-ce qu'on voit la lumière dans les jeunes de pouvoir faire ce genre de trip-là? Oui, tout à fait. Ça arrive très souvent, là, pas juste le Canadien de Montréal. On a d'autres activités très hautes aussi. Et ça arrive très souvent qu'effectivement, on voit des yeux brillants, des beaux sourires, puis on se dit, ça y est, on a réussi. On veut leur faire vivre des bons moments. On veut leur faire oublier leur traitement, leur combat contre le cancer. Et on réussit très, très souvent grâce à différentes activités que l'on organise. En fait, les cheveux, on fait affaire avec un organisme partenaire parce qu'on n'a pas de perruquier dans l'équipe de l'UQAM comme tel, mais on se fait un devoir là, de l'envoyer à l'organisme qui fait des perruques. Nous, par contre, à l'UQAM, on va financer l'achat de perruques pour les familles qui en font la demande. Donc, c'est un autre service là, que l'on offre. Évidemment, tout l'argent qui est ramassé, autant par les participants que par les hot dogs que l'on vend aujourd'hui, les dons spontanée. Donc, tout ça s'additionne, toutes les activités qu'on a faites dans la dernière année au profit de la campagne Défi tête rasée, tout ça s'additionne pour donner la grande collecte totale que l'on dévoilera vers 1h cet après-midi. Alors, tu l'as dit, cette année, c'était la 11e édition du Défi tête rasée. Donc, pour moi, ça veut dire 11 ans de bonheur, finalement, pour ces jeunes-là. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, ça fait 40 ans que l'UQAM existe. Donc, ça fait 40 ans que l'UQAM offre ces services si précieux et si importants là, pour les enfants atteints de cancer et leurs familles. Dans la région de Charlevoix, ça fait 11 ans cette année qu'on a une campagne Défi tête rasée qui s'organise. Donc, on est très, très fiers de ça. Donc, il y a plus de 550 000 $ qui a été amassé dans la région avec les 10 premières éditions. Donc, avec la 11e, ça augmentera le chiffre très certainement. Émilie Tétu, merci beaucoup. On vous souhaite de passer un beau défi tête rasée, beaucoup de cheveux et d'argent. Et écoute, on peut souhaiter que ça revienne parce que quand on met du bonheur, bien, c'est ce qui est la vie. Très certainement. On peut se dire à l'an prochain. Merci.